petit doudou et l'après petit doudou, il n'y a pas de comparaison, quoi. Quand on est en salle de réveil, le bruit, là, t'as été, il y a du bruit. Mais il y avait beaucoup plus de bruit. Les enfants pleuraient beaucoup plus. Alors, il y a des jours où il y a plus de petits, ça pleure plus. Mais là, on se rend compte que les enfants à qui on faisait beaucoup de morphine, parce qu'on croyait qu'ils avaient mal, bah, en fait, ils avaient peur parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis, on faisait venir les parents, ça ne réglait pas toujours le problème. Là, on le fait encore, mais on leur met un petit dessin animé, un jeu, bah, en fait, il n'y a pas besoin de morphine, quoi. Alors l'enfance est un choix et effectivement c'est un choix qui n'est pas tout à fait anodin. Les enfants en fait ils ont un échange qui est me semble-t-il beaucoup plus simple qu'avec l'adulte. Le contact avec l'enfant, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière et ça offre une qualité d'échange qui est beaucoup plus riche.
Et cette dimension fédératrice autour du même projet qu'est d'améliorer en fait le parcours de l'enfant, on se rend compte que là, c'est pas forcément là où on a les meilleurs résultats, mais on se rend compte qu'en tout cas, on a des résultats qui sont très marquants et qui montrent que ouais, il faut parfois juste une petite étincelle qui fait que les gens se regroupent autour.